j'espère que vous allez bien les potes, en tout cas moi ça va nickel, comme d'habitude. Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les potes, en tout cas moi ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on est avec mon frère Nico, on va faire une vidéo, vous allez voir, ça va être le feu. Booba, ferme ta gueule. Ah ouais, lourd. Pile à la niche. Ok, bon bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, ça va être vraiment le feu cette vidéo, on va vraiment s'amuser. Avant de ça, j'aimerais vous parler d'un truc, un truc super important qui m'aurait vraiment aidé dans mes débuts sur YouTube. Regardez, venez voir. Ce que je veux vous parler les gars, c'est ça, le stream pack universal. Je peux vous dire les gars que si jamais j'aurais eu ça dans mes débuts sur YouTube, ça aurait été le feu. Pourquoi? Parce que c'était un pack pour commencer à être streamer ou à être YouTuber, peu importe. Vous prenez la voie que vous voulez. Et qu'est-ce que ce pack? Ben, il contient en fait, il contient une webcam, il contient un micro, il contient un game capture pour enregistrer votre PlayStation, votre Switch, votre tout ce que vous voulez en fait. C'est ça qui est vraiment bien avec ce pack, c'est que vous pouvez faire sur n'importe quelle plateforme, que ça soit sur la PS4, sur la Xbox One, Nintendo Switch, PC, etc, etc. Donc c'est vraiment super bien. Et ce qui est super bien en plus, c'est que je vous en fais gagner un, donc je vous en parle juste après. Je vous ai dit ce qu'il contenait, il contient donc une webcam, un micro, un game capture, mais je vais vous montrer comment ils sont. Regardez, venez voir. Alors, hop, pilou pilou. Et ça va pas être non plus du matériel de professionnel, mais c'est du matériel pour bien débuter. Mais vous allez voir que du matériel pour débuter, c'est vachement bien. Même moi, je me suis dit, ah ouais, quand même. Alors regardez, bam, ça se présente comme ça. Vous avez votre micro. Donc franchement, je trouve qu'il est sympa. Il est vraiment beau. Il a un style. Il est pas mal. Il est pas mal. Very in gentleman. Non, il est vraiment pas mal. En plus de ça, je l'ai testé et je peux vous dire qu'il a un bon son. N'hésite pas à mettre un like si tu kiffes la vidéo. Voilà, c'était le micro. Ensuite, les gars, on a le boîtier d'acquisition. Regardez comme il est petit et ça, c'est super bien parce que des fois, il existe des boîtes d'acquisition où ils sont vraiment énormes. Là, c'est tout petit. Ça rentre dans la poche. Donc c'est vraiment super bien. Une entrée, une sortie. Et vous le connectez à votre PC. C'est parfait. Et ensuite, les potes, on a la webcam. Donc regardez cette webcam, elle est cool, elle a un petit capot, hop là, pour cacher la cam. Elle a un focus manuel, c'est à dire que vous pouvez régler le focus si vous voulez que ça soit flou derrière ou flou devant. Et le truc qui est vraiment bien, regardez, hop là, regardez, elle a des LED, elle a des LED pour vous éclairer la nuit. Et ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien pourquoi? Parce que si jamais vous n'avez pas des gros panneaux d'éclairage comme ça là qui sont énormes, ben la caméra elle peut déjà vous éclairer et ça c'est cool. C'est un petit pack pour débuter dans les streams ou sur YouTube, c'est vraiment cool. Le pack là, il est à 250 €, donc je vous mets le lien sur Amazon si jamais ça vous intéresse. C'est un pack qui est accessible à tous. Il est tout en un et en plus ça marche sur n'importe quelle console. Et ça c'est vraiment bien pour commencer les gars, je vous jure. Et c'est pour ça les amis que regardez, je vous en fais gagner un sur mon compte Twitter. Pour participer c'est simple, c'est sur Twitter, vous avez tout en description et il y aura toutes les conditions. Voilà. Et je vous mets le lien sur Amazon si jamais ça vous intéresse les gars, je vous jure c'est vraiment bien. Bon, pour la vidéo. Donc pour la vidéo les gars, vous allez voir, ça va être vraiment un truc super drôle. Aujourd'hui on va souffrir avec Nico. Ouais. Rappelez-vous les gars, les boîtes mystérieuses où c'est qu'on prenait un objet, on le mettait dans une boîte et on devait frapper la boîte qui était vide pour éviter de casser l'objet. Ben là ça va être pareil, sauf que c'est un peu plus douloureux. T'expliques? Ouais. Ben en fait je vous explique, on a trois cartons et dans les trois cartons en fait il y a deux cartons sur trois qui réservent des surprises. Voilà, il va avoir une tapette à souris. Et je sens que mon doigt va y passer. Pour faire simple, il va y avoir 3 cartons avec 2 cartons qui vont être piégés avec des tapettes à souris. Il va falloir faire le bon choix en mettant la main dans le carton vide. Sinon, on va se prendre les mains dans les tapettes à souris, ça va faire très très mal. Est-ce que les règles sont claires? C'est très clair, monsieur. Ok, allez, c'est parti, let's go, baby. C'est parti les amis pour les tapettes à souris vs nous. Alors on va prendre cher dans cette vidéo. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va ouvrir la table magique. Hop. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé un dispositif exprès pour cette vidéo. Vous allez voir, on est des ingénieurs. Le voici. C'est une petite box mystère, où c'est que vous voyez tout de l'intérieur. Donc ici, il va y avoir la tapette à souris. Et nous, de derrière, on ne voit rien du tout. Voilà, on a fait ça avec du sopalin. Et du coup, on va devoir choisir une boîte, passer la main à l'intérieur et voir si on a choisi la bonne boîte. Si on a choisi la bonne boîte, on est sauvé. Si jamais on n'a pas choisi la bonne boîte, on est mal. On est mal, très très mal. Est-ce que les règles sont claires pour tout le monde? Très très claires. Ok, on certifie qu'il n'y a pas de trucage et qu'on a la volonté de mettre la main sur les tapettes à souris, qu'on ne le regrettera pas. Oui, mais en plus c'est une vraie en plus. Oui, c'est une vraie, heureusement. Ouais. Ok, c'est parti. Du coup, on a un premier carton. Je vais juste fabriquer les deux autres parce que je les ai pas encore fabriqués. Alors, comment ça se passe? On prend ça. Pas très rassuré. Je vais regarder un peu les impacts néfastes sur les doigts. Oh putain, oh putain, oh putain.
Oh putain. Tu mets la main? Non, je mets le doigt. Tu mets ça? Attention. Ok. Oh. Ah, mais... c'est une grosse... Oh putain. Bon, on va accrocher ça à la table pour pas que ça parte. Dispositif 2. Dispositif numéro 3. Nico, il vient jamais dans les vidéos drôles, tu sais, sympathique. Ouais, non, c'est toujours pour souffrir. Là, c'est vraiment pas mal. Fais voir la caméra. Regardez comment on voit ça. Donc voilà, ce qu'on voit nous, c'est on voit vraiment rien du tout. Et en fait, on va prendre la main et on va devoir la mettre comme ça. Bam. Et là, ce sera la surprise. Donc là, ça va être vraiment notre destin. C'est nous, on choisit et il faut faire le bon choix. Sinon, ça va faire mal. Ok, premier jeu, les amis, parce qu'il va y avoir vraiment plusieurs jeux dans cette vidéo. Là, il va y avoir qu'une tapette à souris. Ça veut dire que Alissa va la placer où elle veut. Ici, ici ou ici. Nous, avec Nico, là, on se retourne comme ceci. Et ensuite, on va devoir choisir une boîte chacun. Si jamais, hop, j'envoie ma main et que je l'ai pas, ben, la chance pour moi. Et Nico va devoir choisir maintenant entre les deux boîtes laquelle... sera vide. De toute façon, vous allez voir, c'est facile, vous allez comprendre dans la vidéo, c'est très très simple. Bon, je vais enclencher la première tapette à souris et Alissa va devoir la placer dans la box de son choix. Alors attention, là, c'est là où ça commence à être compliqué, c'est là où on va devoir souffrir, voilà. C'est là où, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Alissa, on va se retourner et tu la mets dans la boîte que tu veux. T'es prêt ? Non. C'est parti, c'est parti. On se retourne, on n'a pas. C'est bon. Ok. Bon, en plus, tu vois pas où il est en plus. Dans quelle boîte il est? Moi je dis, moi. Ah, attends. Moi je pense. Moi je vais prendre cette boîte. Toi tu prends laquelle? Tu prends laquelle? Moi celle-là. Celle-là? Ok, vas-y, c'est parti. Est-ce que t'es prêt? Non. Allez, on va t'en aller. Attends, attends. Comment on fait là? Il faut que j'envoie au fond avec une appui. Tu envoies au milieu de la boîte et après t'appuies. Ok. 1, 2, 3. Ah putain! Oh putain! À mon doigt! Elle a accroché à mon doigt! Oh non, 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 si c'est ma boîte en plus, j'ai choisi la mauvaise boîte, c'était la seule boîte, c'est moi le premier qu'a choisi et je me suis fait niquer. Ah, je le ferai pas moi. Ok, la tapette à souris est amorcée, on va la poser et Alissa la pose là où elle veut. C'est parti! Attends, il faut remettre. Ah oui. On se remet dans. Genre d'un saut, genre. Un saut. Vas-y, c'est parti, Alissa. Tu peux mettre la tapette ta souris là où tu veux et tu nous dis quand c'est bon. Beatbox. C'est bon. Tout est réglé au fond de cette boîte. Ok, c'est bon. Alors là, c'est fini de rigoler. Boîte que tu prends. Tu peux choisir ta boîte la plus vite possible. Si tu as désigné, c'est bon. Moi, je pense que je vais prendre. Je vais reprendre celle du milieu. Moi, j'ai. Tu prends laquelle? Celle-là. Ok, vas-y. Bonne chance. Alors attention. Est-ce que t'es prêt? 1, 2, 3. Oh, oh, tu l'as eu. Tu l'as eu. Oh la chance. Il a rien chauffé. Tu l'as esquivé mais tu l'as eu. T'es donc perdu. Est-ce qu'on se fait une dernière partie pour ce jeu là? Allez. C'est bon? J'amorce la tapette à souris. Genre une tête de pression là sur la vidéo. Genre de... Enclenché. C'est moi, c'est moi. La tapette à souris est amorcée les gars. N'hésitez pas à mettre un gros like si jamais vous kiffez cette vidéo les gars. Et si jamais vous voulez qu'on refasse un deuxième épisode. Et pourquoi pas le refaire avec des youtubeurs. Mettez moi le nom des youtubeurs que vous aimez en commentaire. Et dites moi si oui ou non vous voulez qu'on refasse ce concept. Je compte sur vous avec le petit like. Alissa, à toi de le placer là où tu veux. Attention, c'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est vrai au fond de cette boîte. Change de servir. C'est bon. Oh putain. Alors, moi je choisis celle-là. Moi ma boîte celle-là est choisie. Moi je choisis celle-là. Celle-là? Ouais. Ok. C'est parti. Est-ce que t'es prêt? Non. Attends. 3, 2, 1. Oh! Oh! Yes! Yes! Elle était là-dedans. Mais on l'a loupé. C'est parfait pour nous. On te laisse remettre encore une fois la tapette souris à l'intérieur. Allez. Bon. C'est bon. Moi je prends cette boîte là. Ah ouais, moi je prends celle-là. Ok. Je le sens pas. Alors attention. Alissa, est-ce qu'il y a déjà un entre nous qui l'a? Oui. Oh, oh là là, la pression. Ok, est-ce que t'es prêt? Bon, précieux. 3, 2, 1. Oh, oh, c'est Nico. Oh, c'est dans... Oh, yeah, j'ai gagné, les amis. Allez. C'est pas moi, c'est donc moi le winner de ce premier jeu, les amis. Merci, applaudissements, paillettes.
Est-ce que ça fait mal? Oui. Ça fait très très mal. Hein. Oui. Bah en fait, je me suis tanké la ferraille et en même temps, ça s'est rabattu sur moi. Bon, mes amis, première game, victoire pour moi. Nico a perdu. Ouais. Mais c'est pas grave, on va voir le deuxième jeu où c'est que là, c'est la revanche où en fait, il va avoir deux tapettes à souris dans une boîte et il va en avoir qu'une qui va être vide. T'es prêt? Non. Bon là le jeu c'est que ça va pas être Alissa qui va placer ben, les tapettes à souris au hasard. Ça va être soit Nico soit moi qui va devoir les mettre. Alors, okay. Attention, le jeu, si c'est toi qui les passe, c'est moi qui dois décider en premier où mettre la veille. Mais non, parce qu'il y a que toi qui mets la veille. Ah d'accord. Qui commence? Je suis foumi. Attention, papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Oh yes! Je commence. Je vais enclencher les tapettes à souris. Ok, j'ai les deux tapettes à souris qui sont enclenchées. Nico, tu vas devoir te retourner s'il te plaît pour pas voir où c'est que je les place. Alors, je vais les placer. Je vais les placer. Une quelque part par ici, par là. Je vais les placer. Une par ici, un peu par là. Et voilà, c'est bon. C'est fait. Nico, fais le bon choix. Fais le bon choix. Quelle boîte tu prends en premier? Tu as une chance sur trois boîtes. Laquelle boîte tu veux prendre? Alors je serais plutôt évident parce ici. Alors pourquoi ici? Parce que je suis gaucher. Ouais. Mais je sais pas en fait. Laquelle? Voilà. Ok. Est-ce que t'es prêt? Non mais. Attention. 3, 2, 1. C'est une victoire pour moi. Ah là c'est une victoire pour moi. Un point pour moi. Ça fait mal? Ça pique, ça pique. On va y donc voilà, la boîte qui était la bonne, Nico. C'était bien celle-là. C'était bien celle-là, la boîte du gaucher. Putain, j'ai cru que tu allais dire celle-là, j'ai fait oh non, sur les deux boîtes, sur les trois boîtes, il a choisi la bonne. Bon, à ton tour. À mon tour. De choisir la boîte. Veuillez vous retourner. J'espère que ça va être bon pour moi. Ouh. Ah ben. Sois quand même gentil, généreux avec moi. Oui, t'inquiète. On fait pas le camp, Nino. Mais non. T'as la peine troisième. Non, c'est moi. C'est qui, papa? C'est qui, papa? Ah, c'est moi. C'est quoi? C'est bon? Ça dit que ça. Non, pas encore. Alors attends. Là, ici. Là, ici. Ouais, c'est bon, allez, je peux y aller. On est bon? Vas-y. Ok. Alors, sur les boîtes vides. Laquelle tu dirais? Moi, je dis que je vais prendre. Tu sais quoi, je vais la faire comme toi. Je suis droitier, je vais la prendre à la droite du droitier. Alors attention. 3, 2, 1. Ah! Ah! Ah putain! Oh! Oh! Ça fait mal. Non, je me suis niqué le doigt, Ah! Ah, appelez les pompiers s'il vous plaît, Vite, vite! Ça va, je simule pas trop. Non. Oh, est-ce que vous voyez un peu le. Oui, on voit la marque. Là. De la tapette à souris sur mon doigt. Ah oui. Ça fait super mal. Là, franchement, j'ai super mal. C'est aussi le métier. C'est ce que je veux dire exactement. Ne t'inquiète pas, tu vas pas t'en sortir un petit peu. Bon, à ton tour. À mon tour. Allez, c'est parti. Vas-y, retourne-toi. Hop. Alors, je vais en placer une, je pense. Une par ici. Hein, juste là. Alors, attends, là, elle faut que je l'enclenche. Faut que j'en place une. Où c'est que... Putain, j'arrive pas à l'enclencher. Merde. Je vais en placer une, la deuxième. Je vais la placer juste un peu vers là. Voilà, c'est bon, c'est placé. Laquelle tu choisis? Alors, mon petit doigt me dit que je suis maniqué. Quoi? Ok. Quelle boîte? Un bonhomme. 3, 2, 1, go. Soit à chaque fois, il a vraiment de la chance, mec. Il a trop peur de se faire niquer. Du coup, il met la paume de sa main sur le côté, il met pas les doigts. Tapette. En tout cas, les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le gros like qui s'applique. Non. Le mec est suicidaire. N'hésitez pas à mettre le gros like, je compte sur vous. Allez voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici. À vous abonner juste là-haut. À me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire. Et si jamais elle vous a plu, ben, mettez un like. Et pour le like de fin. Oh! Eh ben elle a sauté. Voilà, bref. Jarchen, c'était Pika. Peace!